Monsieur le maire, quels sont vos vœux pour cette nouvelle année? Ce sont des vœux de fraternité, de paix, de solidarité entre les Gruissanais et leurs proches. Je souhaiterais que l'on retrouve des fondamentaux qui sont la chaleur humaine, un peu plus de solidarité entre les Gruissanais, entre les proches, également entre les peuples, entre ce monde aujourd'hui si brutal. Quel enseignement tirer de l'année 2012? Le récent rapport de la Chambre régionale montre que la politique et la stratégie que nous avons mis en place est la bonne. Les feux sont au vert et donc nous sécurisent pour les prochaines années. Comment pourrait-on qualifier notre situation financière? Notre situation financière est saine, avec aucun emprunt toxique, des marges de manœuvre confortables, même si 2013 sera une année, je crois, difficile. Et de notre responsabilité de rester vigilant, mais de continuer toujours la politique que nous avons menée depuis quelques années, d'investir. Et quelles sont vos priorités pour 2013? Les priorités pour 2013, nous les présenterons le 7 février lors des rencontres citoyennes à la population. Le cadre de vie, principalement, le cadre de vie où je sais que les Gruissanaises et les Gruissanais sont très attachés. La démocratie participative reste quand même l'originalité de Gruissan. Oui, la démocratie participative est notre pilier. Nous l'avons bâti en 2001. Nous avons constitué donc tout le socle avec les délégués de quartier, le conseil des sages, toutes les commissions, les conseils des enfants, des jeunes, toutes les commissions extra-municipales. Et puis là, nous allons lancer une vaste consultation avec toute la population. Nous allons prendre le temps de l'écoute, du partage, et pour avoir une vraie vision stratégique sur les 15-20 prochaines années. 2012 a été un excellent cru pour la communication de la ville. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Oui, disons que la communication lancée il y a 11 ans avec un vrai service aujourd'hui, donc nous a permis d'avoir des prix, notamment le premier prix sur le plan national du site internet avec la ville, qui donc est le premier prix national des communes de 2000 à 5000 habitants, qui est une vraie reconnaissance des plusieurs outils également qui existent avec l'office de tourisme, avec le nouveau ciel sur Gruissan. Et qu'en est-il du projet de la Sagne? Le projet de la Sagne est le grand projet, le projet sur les 20-30 prochaines années. C'est un projet qui donc se veut d'une part une démarche ambitieuse avec de la concertation avec tous les propriétaires. Je vous le rappelle, ce projet, 124 propriétaires, dont la commune qui est également propriétaire. C'est un projet donc qui va permettre d'avoir une mixité sociale et aussi d'avoir une évolution souhaitée, partagée et, comme je le disais, harmonieuse avec Gruissan. Et pourriez-vous nous parler de la sécurité? La sécurité fait partie d'une de nos priorités depuis déjà 11 ans. Nous avons considérablement mis les moyens. Je le rappelle à la population, c'est 1 million d'euros qui sont engagés chaque année au service de la sécurité pour les personnes et les biens. Nous avons un projet, la vidéosurveillance, qui va permettre de sécuriser des lieux, des places extrêmement fragiles et stratégiques, notamment sur la période estivale. Et après la sécurité, un mot sur l'environnement, peut-être? L'environnement, pareil, donc priorité absolue. Le développement durable, on y met beaucoup de choses. En fait, c'est la qualité des eaux, mais également donc le fleurissement. Nous sommes labellisés une fleur. Nous allons déposer un dossier pour avoir une deuxième fleur et pourquoi pas une troisième. Bref, donc des enjeux liés à cet environnement durable et qui consolide donc la politique stratégique de la collectivité. Et au-delà de l'environnement, le tourisme reste bien sûr notre activité économique majeure. Oui, le tourisme est le fer de lance. Le tourisme, c'est des emplois non délocalisables. C'est une volonté aussi politique affichée et affirmée par l'Office de tourisme.
le premier qui a été classé en première catégorie à Languedoc-Roussillon cette année. Et puis donc c'est continuer à se développer, continuer à faire de la promotion, parce que quand, vous savez, la période estivale, nous avons 70 000 personnes, voire 80 000 personnes, c'est donc tout ce qui est en amont, c'est-à-dire donc les déplacements dans les foires, dans les salons, c'est la promotion, c'est la communication, je viens d'en parler, et puis c'est des nouveaux équipements qui apportent cette plus-value à Gruissant. En parlant de nouveaux équipements, quel est le bilan de l'espace balnéoludique ? Alors, l'espace balnéoludique est un équipement, un outil indispensable à l'attractivité de Gruissant mais du territoire, donc, et plus que le territoire, sur le plan régional. Il nous a permis de fixer une clientèle locale, mais également touristique. Donc c'est 75 000 fréquentations, donc usagers, qui ont utilisé l'espace balnéoludique. C'est beaucoup de Gruissanais, l'espace balnéo. C'est une progression également de 12% en fréquentation, mais également en chiffre d'affaires, dans ce qui conforte nos investissements. Parce que comme je le rappelle souvent, 15 millions d'investissements il y a 2 ans, ben, il fallait le faire dans une période difficile. Aujourd'hui, donc, nous sommes assez fiers d'avoir réalisé cet équipement qui, dans le temps, donc, montrera les effets bénéfiques de l'activité économique de Gruissant. Au début de votre intervention, vous avez parlé de solidarité. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus ? Oui, pour nous, la solidarité, c'est l'intergénérationnel, c'est donc les jeunes, les seniors, c'est tout ce qui se fait avec le milieu social. Je pense bien sûr au CCAS, avec tous les membres du CCAS, sa présidente, mais également Accueil, Écoute et Soutien, qui est une association extrêmement importante pour Gruissant, qui permet de travailler donc dans l'ombre, mais d'une efficacité redoutable pour les personnes qui sont en difficulté. C'est également le repas de fin d'année qui se fait au Palais des Congrès, c'est 500 personnes. Et pour conclure, Monsieur le maire, quels sont vos souhaits pour 2013 ? Pour 2013, donc, je souhaite une très très bonne année, qu'elle soit solidaire, qu'elle soit fraternelle, qu'on vive en paix, qu'on puisse avoir donc la santé nécessaire pour que 2013 soit une magnifique année, donc pleine de promesses, mais également pleine de projets que je présenterai début février, le 7 février, à la population.